comment Kate Middleton a rendu Camilla Parker jalouse. Kate Middleton a pris les commandes de la famille royale. Elle n'a pas eu la couronne, mais elle a hérité du pouvoir de la reine Elisabeth II et elle a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était devenue une figure incontournable de la royauté pour le plus grand malheur de Camilla, qui ne cesse d'être ridiculisée lorsqu'elle se trouve à ses côtés. Lors de la cérémonie en hommage aux vétérans, la princesse a attiré tous les regards. Elle portait les bijoux historiques de la famille royale aux côtés de Camilla, sur le balcon du cénotaphe, et tout le monde a décrit ce moment-là comme une véritable démonstration de sa part. Kate Middleton assure un rôle très important dans la royauté et elle prend de plus en plus de place au fil des années et elle est à l'origine de grandes décisions dans le plus grand des secrets, contrairement à l'épouse de Charles III qui aujourd'hui ne semble plus avoir beaucoup d'importance. Tout le monde adore celle qui est surnommée « la princesse du peuple » et chacune de ses apparitions publiques font le même effet. Kate est considérée comme une femme accessible et à l'écoute des préoccupations des gens. Sa visite auprès des soldats du régiment de cavalerie du pays de Galles, pour laquelle elle est apparue en tenue de camouflage, a été très remarquée. Elle met aussi beaucoup de cœur à des causes qui lui sont chères, comme celle de la petite enfance, en rendant visite à des enfants très régulièrement afin d'échanger avec eux et les guider vers la bonne voie. La duchesse est convaincue que les premières années de vie jouent un rôle déterminant dans la formation de qui l'on devient. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a créé la Royal Foundation Center for Early Childhood. Mais ce qui la différencie grandement de Camilla, c'est qu'elle ne cherche pas à jouer un rôle devant les caméras. Après le décès de la reine Elisabeth II, en septembre 2022, elle avait tout de suite été élue par la plupart des proches de la couronne comme étant la femme à protéger au sein de la famille royale, la plus brillante et la plus susceptible d'obtenir un jour le rôle suprême. Le constat est bien plus différent pour Camilla, dont la cote de popularité a beaucoup baissé et qui est même méprisée par une grande partie du pays. Kate Middleton est bien consciente que tout prend du temps et qu'elle ne doit pas précipiter sa prise de pouvoir. Mais au fil du temps, elle est parvenue à gagner en indépendance pour finalement voler de ses propres ailes. Et c'est avec des choses simples et authentiques qu'elle est parvenue à prouver au monde entier que c'était bien elle qui était sur le devant de la scène. Et les proches de la famille royale sont convaincus que le pouvoir de Kate Middleton ne cessera de prendre de plus en plus d'ampleur.